Nous déclarons ouvert la 4e édition du challenge Pamphile du Congo. Et puis nous avons pour nous, autour de la meilleure des bananes. Donc profitez de la challenge, 4e édition du challenge, autour de la meilleure dans la catégorie Lyonso. Je souhaite à tout le monde bonne chance. C'est devenu un rendez-vous annuel de tous les lutteurs de la ville de Kinshasa. La 4e édition de l'Open Pamphile du Congo a bel et bien démarré ce 4 août 2022 avec la participation également des lutteurs du Congo central. L'objectif est à Challenge des Arts de promouvoir la discipline de tous les lutteurs et puis pour la paix, le talent, la jeune, on a un peu savoir quand même en vie parce qu'on a moral à la base. La lutteur, j'aime trop lutter. Voilà, pas de la cadre ma père jeunesse, on a évolué dans la lobby, c'est que ça va être fou. Mais il faudra que, bon, par rapport à des questions de France, il y a quelque chose de ça là-bas. Il y a la marque, le premier père, mais j'ai dit, on a ramené quand même. Ça prouve que le projet évolue. Ça évolue, lobby, on va voir peut-être qu'il y aura des grands projecteurs pour la challenge. Devant un public venu nombreux pour vivre le spectacle, Bukenga Jordan, qui s'est qualifié en quart de finale dans la catégorie des cadets, a fait une entrée remarquable. Cet événement ne peut qu'être encouragé par la Fédération congolaise de lutte associée car il permet aux lutteurs d'avoir plusieurs compétitions dans l'année. Dixit, un membre du bureau exécutif mandaté par son président Eric Nzambi. La clôture est prévue ce dimanche avec plusieurs combats de finale.